avec son nouvel entraîneur, Luis de la Fuente. Une Espagne remaniée est parfois retombée dans ses anciens défauts. Une possession qui n'est pas toujours assez nette. Elle est rapidement marquée. Cependant, sur une belle déviation par rapport à Dani Olmo après un centre de tir d'Alejandro Balde. Mais elle n'a plus mordu, et a même risqué l'égalisation plusieurs fois. Mais Kepa était décisif dans l'ordre. Pour le retour du gardien de but à la sélection, et l'absence d'Erling Haaland, blessé, n'a pas fait de mal.